Ça passera pas, à mon avis. Et là, mine de rien, et ça, c'est encore... Il y a 20 ans, la communauté de communes de la vallée de la Bruche met en place un vaste programme de réaménagement du territoire. Après la crise économique des années 50 qui conduisit à la fermeture des industries textiles de la vallée, l'économie, l'agriculture et à travers elle le paysage s'en sont trouvés profondément bouleversés. L'abandon progressif des terres agricoles marque le retour des friches et des reboisements en résineux. Peu à peu, les paysages se ferment, la faune et la flore s'appauvrissent. Les violentes tempêtes de 1999 finissent d'ancrer dans les consciences cette nouvelle réalité. Agir pour la reconstruction d'un bien commun, le paysage. Sous l'impulsion des élus des 25 communes de la vallée et de leurs citoyens, une vaste réflexion s'instaure et des actions de réaménagement sont menées. Réouverture des espaces, réintroduction des zones pâturées, création des associations foncières pastorales. Le tourisme se développe, les jeunes trouvent à s'installer. Les citoyens participent, des aides techniques et financières sont débloquées pour les agriculteurs. La vallée de la Haute-Bruche tisse au fil de ces années un nouveau lien social, condition nécessaire au changement à l'œuvre. Il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, on a enclenché une politique, si vous voulez, avec la communauté de communes, en mobilisant tous les financements qui étaient possibles, pour essayer de reconquérir des espaces ouverts. Alors les agriculteurs étaient contents parce que ça répondait à leur souhait de trouver des espaces un peu plus faciles à mettre en valeur ou à faucher tout simplement, hein, c'est essentiellement de l'herbe. Et donc ça répondait à leur attente en même temps qu'on revoyait les espaces comme ça, reverdir, redevenir vivants, ouverts, ensoleillés, etc. Oui. Et ça, alors, ça s'est fait avec beaucoup d'efforts et puis avec une espèce de compréhension quand même des propriétaires au sein des associations foncières pastorales. Il y a eu une intelligence humaine pendant 20 ans qui a permis de travailler avec des outils pour porter un projet d'ouverture d'espace. Cette logique d'ouverture d'espace, il est important pour moi en qualité de chargé de mission, et c'est ce qu'on me demande depuis 20 ans, de me projeter dans l'avenir. Et quelles sont les possibilités de gestion du territoire qui nous sont offertes? Aujourd'hui, une question se pose. Comment soutenir cette nouvelle gestion des paysages pour l'inscrire dans la durée? Allez. De tout temps présent dans l'espace rural, en plus ou moins grande densité, l'arbre champêtre trouve aujourd'hui un nouveau souffle au travers des pratiques agricoles valorisant l'association d'arbres à bois précieux avec l'élevage ou des cultures. C'est ce que l'on appelle l'agroforesterie. À partir du moment où on va planter un arbre
dans une parcelle agricole, il va complètement modifier le milieu. Donc il va modifier la structure du sol par son enracinement en profondeur, il va modifier la biodiversité de la parcelle, il va modifier le cycle de l'eau, etc. etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle en fait les externalités. L'association des arbres aux pratiques agricoles modernes consiste à tirer parti de ces interactions arbres-culture en vue d'une production diversifiée de bois d'œuvre, de biomasse, de fruits, de céréales ou d'animaux, sans altérer le renouvellement de l'écosystème cultivé. À blanc, pour que les vaches, en fait... De tels systèmes, pour peu qu'ils soient pensés en amont en termes de choix d'essence et d'itinéraires techniques, sont plus productifs que les systèmes agricoles conventionnels. Ils offrent de surcroît de multiples avantages environnementaux. C'est ce que l'on appelle les externalités positives de l'agroforesterie. On cherche un rendement au niveau global, c'est-à-dire environnemental, paysager et agriculture, je pense que c'est une excellente solution. Donc ça peut aussi encourager le propriétaire à porter plus d'intérêt à son terrain, disons quoi. En disant à terme, si ce n'est pas pour moi, c'est pour mes enfants, mais ça peut rapporter quelque chose. Ce serait une solution de trouver des terrains en plus, oui, si les propriétaires jouent le jeu, quoi. Moi, j'ai des zones, notamment sur une de mes communes que je gère. C'est un ancien pâturage qui s'est reboisé où on pourrait appliquer la technique de l'agroforesterie sans problème. On parle beaucoup de laisser les arbres, et c'est vrai, ça, je suis convaincue qu'il faut des arbres dans les pâturages. Hein, ça, c'est sûr. Hein. On en parle tellement de ce carbone. Ben, nos arbres, ils vont le prendre, ils vont l'incorporer. Donc, c'est déjà une très belle chose. On vient d'enlever des arbres, on ne voudrait pas tout de suite en remettre. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Mais nous, on est trop près des villages. Si on remet des arbres, on peut mettre du fruitier pour faire une ceinture verte, mais pas replanter des essences, des frênes ou des choses comme ça. Peut-être que s'il y avait aussi un agriculteur qui mettaient des bêtes, donc il y aurait un prix dessous et des arbres du coup plus beaux, plus hauts, et peut-être que ça pourrait fonctionner. Ouais. En tout cas, nous, on est prêts à essayer, ça c'est sûr. Après 20 années de réouverture des espaces et de réimplantation d'une activité pastorale, la poursuite d'une gestion durable des paysages en vallée de la Bruche pourrait trouver réponse dans la mise en place de tels systèmes. Pourquoi ? Parce que l'agroforesterie, avant d'être une association d'arbres avec des cultures ou des animaux, est avant tout une association de compétences différentes entre un éleveur, un propriétaire, une collectivité ou un forestier. Une association de compétences singulières telles que définies dans les baux à clause environnementale, aujourd'hui à l'étude, est telle qu'on peut déjà l'observer dans la vallée, au travers des AFP par exemple. Ensuite, pour les propriétaires fonciers, l'agroforesterie est un moyen d'enrichir son patrimoine et de capitaliser pour subvenir à des investissements. Pour les éleveurs, l'agroforesterie permet de produire durablement en limitant l'impact des hausses de température et de la sécheresse sur les animaux et la production fourragère et en diversifiant sa production sur l'exploitation. Enfin, l'agroforesterie permet d'allier production et environnement, paysage et qualité de vie.